Et salut, petite VOD. Suite à la découverte de My Time at Sun Rock, pour le moment on a fait un petit peu tous les premiers trucs de base et puis on commence à avoir notre première commande, à savoir faire un ascenseur à grue. Donc on a fait des engins qui étaient nécessaires pour les faire, et oui j'ai mis les coffres n'importe comment, c'est pas grave. Mais là je vais aller dodo et normalement demain j'ai ma fête d'accueil, j'ai l'impression. Je crois que si j'avais bien compris. Préparer le lit, c'est quoi? Ok. Ne perdons pas le fil, exactement. Oh, trop mignonne quand elle dort. Être belle. Et du coup, je pense que ce sera ce jour-là où j'aurai l'inauguration, tout ça, tout ça. Hello, builder. So nice to see you again. Oh, bah lui. As per the minister's instructions, quel plaisir de te revoir, Mathilda, notre pasteur, te fait revenir ce cadeau. C'est de l'eau pour être tout à fait exact, ce qui est le plus précieux pour nous. In Sandrock, Martel's Oasis is pretty much our only reliable. Ah, mais c'est d'une rock en français et Sandrock en anglais. Ok, oui, pourquoi pas. Bon, ils auraient pu laisser Sandrock. L'Oasis de Martel est la seule source d'eau sur laquelle on peut compter. On peut récupérer de l'eau auprès des autres cités, ça, mais elle est chère. Alors on doit faire attention à comment on l'utilise. Puis-je attirer ton attention vers l'humble petite barrière érigée autour de l'Oasis? C'est pour la ville d'une région mégalodia. Ne prenez pas l'eau de l'Oasis sans retenue. Ça marche aussi pour les arbres d'ailleurs. Si tu manques d'eau dans ton atelier, je peux te recommander de chercher de la rosée du matin, faire les plantes aux alentours, ou de faire le tour des châteaux d'eau, au château d'eau qui surplombe l'Oasis. Il me semble bien que les machines de construction ne fonctionnent pas sans eau dans le réservoir. On va donc continuer à se croiser régulièrement, j'imagine. Bon, j'ai déjà pris assez de ton temps. On se voit au château d'eau. Aïe, Burgess. On se voit au château d'eau, Burgess. J'aurais pu avoir le stream, ça marche, pas de soucis. Ouais, ouais, non, mais pas de problème. En tout cas, je suis contente que vous soyez quand même là. Je vais chercher mon miam. Oui, bon appétit, c'est vrai, c'est l'heure. Moi, je mangerai après, tranquillou. Ah ouais, tu trouves que la couleur de son teint et de ses cheveux ne vont pas ensemble? Tu lui conseillerais quoi comme teinture, Lix, à Burgus? Petit blond vénitien cuivré. On dirait un poussin, mais en moins mignon. Ah, moi il m'agace. Oh, Machiato! Attendez. Faut que je lui parle un peu. Miaou. Ok. Oh, je pourrais lui offrir un poisson au chaton. Je sais pas ce que je fais là. Moi, faut que je continue à avoir du matos. Tout simplement. À un moment, j'aurai mon cheval, je pense. Ou en tout cas, je pourrais louer un cheval. Ou je sais pas, un truc comme ça. Et monde de l'eau. Ah, d'accord, c'est ça. Je peux acheter des trucs ici, ok. Et du coup, je pourrais totalement aller plus loin. Éviter de polluer l'eau. Oui, d'accord. Mais moi, je voudrais pêcher dans le sable. Pas une canne à pêche. On m'a donné des poissons, mais pas des cannes à pêche. Je veux trop une canne à pêche. Et on va récolter les herbes. Ah, il est trop tard pour récupérer la rosée peut-être. Oh, des caca! Let's go les caca! Hop là, petit fumier rangé à côté de ma bouffe dans mon sac. Parfait. Quoi? Pas peur. En fait, j'ai peur. Ça fait rien du tout. Je connais, c'est lui. Je peux pas. La coquette, j'ai galéré trop. Est-ce que ça peut être lié aussi à la tempête, justement, que la co-galère, peut-être?
Me tapez pas, je suis gentil. Enfin, je... Partiellement. Alors, où est-ce qu'il est l'endroit où je peux... Ah, c'est ici. L'endroit où je peux récolter des matériaux et où j'ai un pass. Ouais, on va y aller. Non, tu parleras après. Ah, trop bien. Du rouge carmin ou du marron pour le gars? Oh ouais, pourquoi pas. Oh, c'est des roms. Contient de nombreuses informations enregistrées. On parlait au chercheur de la ville. Il y a un chercheur dans la ville, mais je savais même pas. Ah ouais, c'est cool. Et du coup, je pense que de temps en temps, des passes que je pourrais acheter, ou peut-être que je pourrais en débloquer des permanents pour pouvoir venir miner ici. Je pense pas qu'il y en aura des permanents. Je vois bien le genre de trucs que tu dois régulièrement racheter. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Je pense qu'il y en aurait eu si le jeu avait voulu être taquin. Paradis perdu. C'est ici. Est-ce que je peux descendre davantage? Bah non, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Tout simplement. Quand il y aura un ascenseur, je pourrais descendre plus bas. Eh, ils sont pas cons. Il y a une logique en fait. Le jeu, on dirait presque qu'il est super bien fait quoi. Super bien pensé en fait. C'est fou? Tortue ninja ici? Pourquoi? Non, il y a des paradis ici, mais ils sont perdus. Oh, mais je sais à quoi me fait penser un peu la DA aussi, un autre jeu que j'ai adoré, à Raft. Alors ici, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus léché, un petit peu plus détaillé et fini, on va dire. Il y a plus de finition dans Raft. Mais c'est ce style-là et j'ai adoré Raft. Donc, trop bien. Non mais, je suis dedans. Voilà. Ah ouais, là j'ai de la rosée. Ok. Non, bah ça va alors. C'est peut-être que juste... Ah bah si, mais il est midi. Alors, je vais voir si ça suffit ce que j'ai pris. Oui! Oh, tiens, toi! Toi, je te shoot. Ça rebondit sur ma maison. Ah! Attends! J'ai eu un truc. Peut-être. Quand on s'est dit qu'il y a quelque chose qui se planque dans les égouts. D'accord. Ah oui, peut-être. Non, mais je pense que juste... Ouais, voilà, c'est une manière intelligente de nous montrer. Tiens, voilà tout cet endroit où tu pourras accéder quand tu auras fait l'ascenseur. Tout simplement. Et c'est bien fait. L'église, mais je peux y aller. Il y aura une annonce importante à l'assemblée ce soir à 19h devant la mairie, ne sois pas en retard. Waouh. On ira à 19h, ok. Mais vas-y, déjà 13h. Et presque pareil dans la vraie vie. C'est fou. Union du virtuel et du réel. Ton perso fait des efforts, des fois j'ai l'impression qu'il s'y proute, ça me termine. En fait, oui, avec ses onomatopées qu'il fait, oui, j'ai 6 ans. Alors, très honnêtement, Léa, quand tu viendras sur le stream, tu comprendras à quel point on est tous dans le même mood. Vraiment. Enfin, quand tu viendras, tu sais, je pars du principe que tu vas forcément venir. Mais en tout cas, si tu passes, tu verras. Rien que par mes alertes. Bref. Donc, zéro jugement ici. Vraiment. J'en suis où au niveau de mon réservoir? Est-ce que je... Ah oui, c'est le fourneau. Il est inactif. Oh, j'ai que 6% d'eau ajustée. Je peux rajouter un peu de rosée, je crois. Ou dans l'inventaire. Oui, je rajoute. Ouais, je confirme. 13%. Bon, j'ai un peu de matos là. Il faut que je fasse une brique. Ah oui, du coup, c'est dans le...
six fourneaux. Non, calme-toi. Ok. Voilà, je dépose des petits cailloux. Maintenant, je construis. Je peux en construire 55. Peut-être pas en faire 55. Mais il m'en fallait combien? Il m'en fallait 8. J'en ferais bien un peu plus en vrai, non? Je peux pas. Ah si, il faut que j'appuie sur A. Ah, je peux le faire par 10. Bon, on le fait par 10. Ok, ça, ça pue. Bâton, bois, corde épaisse, tige de cuivre. Des tiges de cuivre un bâton. Il me manque un truc. Cuir simple. Peut-être avec le fourneau, mais du coup, il me faut du cuivre. Du cuivre. J'ai pas trouvé de cuivre. Matériau requis, ascenseur à grue. Comment j'ai les tiges de cuivre? Je sens qu'on a deux streams communs assez proches. Oui, c'est ça. Deux streams communs assez proches. Oui, c'est vrai. Non, mais on va. C'est pour ça. C'est cool. Quand j'ai vu le. Quand j'étais là avant le stream, j'ai vu un peu. J'ai vu un peu l'esprit. Je me suis dit, tiens. Tiens, pourquoi pas? Ça, je me sens à l'aise. Alors. C'est pour ça que j'aime bien passer sur stream de chaton. Ouais, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Enfin, si, peut-être en vrai. En vrai, peut-être. Peut-être que si. Parce que sa voix me dit quelque chose. Donc je me demande si je l'ai pas déjà entendu, chaton in-game. Et vu, bon. Après mon live que t'es constamment, donc c'est pas facile de se rendre compte aussi. Se rendre compte, pas se rencontre. Enfin, dire... Ah, débris de cuivre, mais c'est ça qu'il faut que je travaille. Ah oui, il faut que je les trouve dans les. Ok. Ok. Voilà, ça va être en cours de faisage. Corde épaisse. Est-ce qu'il faut que je la crafte, la corde épaisse? Faut que je l'achète? J'ai pas eu. Ah non, faut que j'achète le... La recette. Ok, on va aller à la guilde des commerces. Du coup, il me faut... Ah, faut que je fasse gaffe à l'heure. 15h. Ok. Oh, it's you. Encore toi. All right, then, newbie, listen up. Because I don't want to have to repeat myself. Écoute bien, je n'ai pas envie de répéter. The most important commissions les commandes sont plus importantes. Les commandes les plus importantes, donc je vais avoir besoin que tu te caves. Ne vous inquiète pas pour ça. Je vais faire en sorte de les en informer. Comme l'ascenseur à Gorky, par exemple. Mais pour tout le reste, c'est le tableau des commandes. Les habitants postent leurs commandes les moins urgentes ici. Et quoi qu'il en soit, il ne faut pas trop les faire attendre. Si c'est bon pour toi, bon pour la guilde. Chaque commande correspond à un nombre d'étoiles. Une étoile, c'est simple. 5 étoiles, c'est uniquement pour les pros. Tu veux la gloire des commandes à 5 étoiles. Et les récompenses qui vont avec. Tu pars de zéro. Il faut travailler à améliorer tes équipements d'atelier et ta réputation. Tu commences tout juste, alors tu pourras accepter qu'une par jour. Termine-la rapidement et tu pourras en prendre d'autres. À la fin de l'année, on regarde qui a fait quoi dans la ville au sein de la guilde et on donne des récompenses aux meilleurs. Celles de la première place sont formidables. J'en inquiéterais pas trop si j'étais toi. C'est pour ça que j'ai jamais perdu. Parce que moi, j'ai jamais perdu. Mince! J'ai rappuyé sur A. Attends, je voulais te demander un truc. Attends. Oh non. So long. Ah, c'est ici, voilà, la boutique. Et du coup, là, j'ai un plan. Mais comment je sais à quoi ça correspond? Comment je sais? Ah, la corde épaisse, ça doit être ça. Sentez bien qu'il y a un petit nom, quand même. Oh, t'es bien. Donc ça, on est d'accord que c'est un plan. Je vais regarder. C'est bon, je l'ai appris? J'imagine. Les modes du
du chaton qui tasse avec les maracas. C'est une des émotes de chaton, je sais pas si tu te souviens. Oh si ! Ah si 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 ! Oui oui, en plus j'avais déjà dû regarder. Mais c'est vrai qu'on voit pas forcément bien les pseudos des gens sur les noms d'émotes, mais des streamers. Oui oui, je me rappelle. Effectivement, je les aime bien, moi, toutes vos émotes qui tassent, en plus je les retiens bien, puisque bah j'essaie de m'en inspirer. Mais du coup j'ai acheté un plan ou pas? Attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir direct à l'atelier parce que j'arrive pas à me... En fait j'arrive pas à me repérer dans le menuing. Fong. Salut Fong. What do you want? Oh trop marrant. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu cherches... Il faut un truc plus aigu. Genre ça... Et comme ça... Et comme ça... Tu cherches... Non, plus comme ça... Comme ça, un peu... Comme ça... Tu cherches des docteurs? Quelque chose pour toi, nouvelle personne! Aucun danger, sois pas bête, prends! Dis-nous ce qui arrive, tu devrais être sans vis! Devrais être sans vis, c'est vrai! D'accord. Ok. Mais j'ai pas envie de parler à Panaclock tout de suite. Corde épaisse. Ah mais non, mais j'ai déjà... Ah bah non, mais si, c'est bon. Je viens de l'acheter, le plan. Je vais arriver. Pas facile, mais je vais arriver. Oui. Combien? Corde épaisse, ok. Tige de cuivre, j'en ai pas encore. Palier. What is that? Non. Palier. Palia. Non. Pas de lien, je pense. Là, comme ça, je pense. Faut que je fasse ce palier. Ici, c'est... Attends. Si je vais dans le bouquin. Est-ce que du coup l'ascenseur à grue... Il est là. Oui. Ok, ça va être plus simple. Palier. Recycleur. Ah, d'accord. Débris mécanique. On a du taf, hein. Il faut mes briques, hein. J'en ai deux. 16h. À 19h, il faut que j'aille. j'ai un peu bugué quand j'ai vu Palier, j'ai tout de suite pensé à Palia et vu que c'est un coding game, bah, je me suis dit, mais. Rêve de fou! Ah bah voilà, Assemblée Générale. Bah c'est bien, il me le rappelle. Comme ça, en même temps, je shoote un peu dans le ballon. Assemblée Générale, mais où? Est-ce que c'est au blue machin? Non, c'est devant le temple. Je suis les habitants, ce qui me rend très bizarre. Je vais suivre les flèches. Allez, à Banger aussi. Qui joue aussi, Leia? Ouais. Moi aussi. J'y joue vendredi. Normalement. Ah bah c'est demain. J'ai pas dormi. Vendredi, pour moi, c'est dans deux jours. Howdy. Take her easy. Ah mince, j'ai... Ah c'est bon. C'est bon, je suis à l'heure. Simmer down now, y'all.
As many of y'all know, du calme, our resident monde. Builder Mason, who has been a hard comme nombre d'entre vous le savent, notre ancien constructeur Mason s'est investi corps et âme auprès de notre communauté pendant plusieurs années, mais il quittera bientôt notre paroisse pour partir, comment dire, à la recherche de meilleurs horizons. Mais nous ne sommes pas réunis pour dire au revoir. Nous aurons tout le temps durant sa fête de départ à la retraite. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire bienvenue. Bienvenue chaleureusement. Et accueillir chaleureusement nos nouveaux constructeurs, Mian et Locke. Thanks everyone. Very excited to be starting here. Merci à... I'm going to do my very best to bring Telesis to Sandrock. What? Voilà. Merci à tous. Je suis impatient de commencer à travailler. Je vais faire de mon mieux pour apporter plaisir à ton enfant. Say a few words? Locke, veux-tu dire quelques mots? Je veux perfectionner l'art de la construction. J'ai envie de me faire pas mal d'amis. J'aimerais vivre sans avoir à me soucier du lendemain. J'aime bien ça, c'est un peu profond. Mais encore mercredi soir pour toi? Un peu. Un petit peu, je vais pas mentir. Don't we all? Un peu comme tout le monde. Mais ton rôle comprend son lot de responsabilités auprès de la ville. J'espère que tu arriveras à relever le défi. Faisons tous preuve de patience pendant que nos nouveaux constructeurs se familiarisent avec les ficelles du métier. Et vous deux surtout, demandez-nous s'il vous faut de l'aide. Nous, en tout cas, on n'hésitera pas une seconde à vous mettre au travail. Merci, Yann. Une nouvelle fois, Denrock vous souhaite la bienvenue avec plaisir. Ce soir, notre cher Owen a préparé des omelettes. Profitez-en bien. Tant qu'elles sont chaudes. La réunion est ajournée. N'oubliez pas, économisons l'eau. Des omelettes, du coup? C'est comme ça qu'on m'accueille. Des omelettes. Hein? Franchement, fallait pas essayer de faire semblant de cuisiner un truc. Hein. On m'a dit que ce soir il y avait un truc à 19h à l'église. Le truc c'est que bah j'ai eu ma journée d'accueil, je pouvais pas. Ouh, coffre. Oh, le coup de latte. Coup de latte dans ta face. Oh, j'ai trouvé de l'or. Je regardais la map. Ouh. Est-ce que c'est comme dans Minecraft? C'est un truc qui est bien, mais qui, en fait, est pas ouf. Ouh! Est-ce que ça fait sentir courage, patronne? Ça va. J'irai me reposer un peu après. Hein. Faudrait que je me repose avant ce soir, c'est surtout ça. J'ai un peu des trucs à faire dans la journée, donc voilà. Mais il y a eu un petit message disant oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait dispo pour continuer le soir machin de 2h à 6h ce soir. Je me suis dit en vrai je serais peut-être dispo. Après je me suis dit non, en vrai je serais éclatée. Alors non. Loot, oui. En train d'envoyer plein d'avis d'amitié de Steam là. Let's go. Il y a plein de trucs à faire par contre. Et je sais pas où je vais aller. Je voulais aller au temple, mais bah je pensais que j'allais facilement repérer le temple, et pas du tout. Quelques-unes des orbes d'Amira. Ah, d'accord. Elles sont un peu fades. Les couleurs sont fades. Oui, bah c'est la pierre qui veut ça. Enfin, c'est la terre, plutôt. Après, on dirait qu'elles sont pas cuites. Vous avez vu, là, il y a un truc. Ah bah, il faut peut-être que j'y aille. À vendre. Date de vente à confirmer. T'arriveras à faire une sieste cet après-midi? Moi aussi. Oh, c'était ici le temple, peut-être. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, j'ai garé mon épée et mon bouclier, mais après avoir longuement réfléchi, j'ai réalisé que c'était peut-être mieux ainsi. J'aime pas vraiment faire du mal aux gens de toute façon. Wow. Mais c'est absurde.
pour cette voie-là. C'est absurde. Il n'y a pas de quête plus belle que le perfectionnement de l'art du combat. En plus, on a besoin de ton aide, Borgus. Notre croisade pour la justice. Tu dois t'étonner, justice. Eh bien, si tu penses vraiment... Oui, c'était... Ah non, mais c'était celle-là que je vais faire. Mais si tu penses vraiment que je peux... vous être d'une quelconque utilité. Brave homme. Regarde qui va là, Locke, ça peut sans doute te forger un nouvel ensemble d'armes. C'est pas formidable. Oh, salut. Hello. Salutations, j'ai enseigné l'art de la lame à Burgess. Plutôt cool de ma part, pas vrai? Parce que je suis quelqu'un de génial. Quoi qu'il en soit, il a perdu son épée et son bouclier d'entraînement. Je me demandais si tu pourrais lui en fabriquer de nouveau. Ça devrait être dans tes cordes. Pas de problème. Essaye de faire vite, s'il te plaît. Tu vas pouvoir fabriquer sur ton établi. Oui, bah 2 secondes. Mais j'avais des quêtes principales. Bah tant pis. L'énergie de ton perso, ouais, faut que j'en rentre. En plus, il est 22h. Par où c'est, mon chez-moi? Ah, c'est peut-être ici, le temple. Non. Oh, c'est le cimetière. Faut que je rentre. J'aime bien le style. Clinique. Ok. Mmh. C'est où mon chez-moi? J'ai oublié un peu. Ah, oh, ça, c'est la salle de jeu, je reconnais. J'ai des sous, moi? Toujours pas, hein. Bah oui, je travaille pas. Enfin, si, mais je vends pas. Je récolte pas d'argent, quoi. Ok, c'est cette pépette. Un lama! Pas du tout. Pas du tout. Je pensais à un chameau dans ma tête. Oh, Sandy? Oui. Bla 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 bla. Et oui. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mon perso, il a des alus à cause de la fatigue? Ou c'est moi qui ai des alus à cause de la fatigue? C'était bizarre un peu. 22h, c'est le début de la journée, tu fais. Ensemble! Ah bah j'en profite, tiens, pour récolter les trucs. Et les ranger. Comme ça, j'ai l'impression d'avancer un peu. Du coup, les paliers, ça se trouve. Bon, demain. Bah j'ai pas pu aller au temple à 18h. On m'a dit ne sois pas en retard, machin. Bah tant pis. Tronche du truc, ah oui, c'était pour ça. Et sa voix, oui. Moi, ça peut encore plus sa voix, mais la tronche dans tout. On aurait dit certains persos des Miyazaki qui sont un peu creepy. Creepy. Je sais pas ce que c'est, des paliers. Ah, c'est ça, des prix mécaniques. Ok, let's go. Interagir. Lingot de cuivre, je peux? Non. Ben, tant pis. C'était étrange, hein, cette bébête. En plus, le fait de l'avoir en pleine nuit et tout, on dirait vraiment un truc que t'es pas censé voir, genre quelque chose qui... Une créature un peu démoniaque. Bon, il a l'air gentil, hein, mais il a l'air aussi démoniaque. On peut être un peu des deux. Le monde est complexe, vous savez. Ah oui, faut que je fasse l'épée. Bon, bah je vais peut-être pouvoir la faire en plus. Tu manges pas ce midi? Je mangerai à 14h. Oh, ça va, c'est dans moins d'une heure maintenant. It's ok. Et vous, ça mange quoi un petit peu là? Genre dans le voyage de Shiro? Oui. Oui, par exemple, tout à fait. Le voyage de Shiro où, tu sais, la tête du cerf dans Princesse Mononoke, du dieu cerf, qui a une tête d'humain. Là, en fait, c'était ça, c'était un peu une tête d'humain. Elle ne ment jamais, elle est imaginaire. C'est vrai que c'était une IA. Comment je changerais de voix si j'étais pas une IA en vrai? Impossible.
carburant rustique là. Alors. Zut, ça m'arrange pas ça. Je crois qu'il faut que je mette de l'eau ou alors des cailloux, je sais plus. J'aime beaucoup la voix que je lui ai donnée. Hein. Je suis assez fière de moi. Qu'est-ce que t'as, Mian? Je danse avec Mian. Non, 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 non. Pour danser avec Mian. Oh. J'aurais dû savoir le comprendre, mais c'était une IA, effectivement. Moi, je vais me faire des pâtes à la sauce tomate avec un petit poulet. Let's go, le petit poulet. Moi, je sais pas. Hein. J'ai pas super faim, je suis plus fatiguée. Je pense que ça va être un petit truc sucré. Et après, reposage, si je peux, parce que j'ai un peu des trucs à faire. On verra. Putain, la béchamel avec un œuf. Oh, équilibré, équilibré de fou, en fait. Alors, faut que j'ajoute des cailloux, c'est ça? Oui. Le petit fourneau, bah pour le moment je fais rien avec. Et du coup, ah oui, je vais voir si je peux faire des épées et boucliers. Non, calme-toi. Ouais. Faudrait que je m'en fasse aussi en fait, je pense. Ça vient. Épée et bouclier. Ah, c'est tout, juste à faire ça. Oh mais c'est trop bien. Bon bah let's go. Hein. J'aurai mon premier paiement. Enfin. Le garçon et le héron, je sais pas à quoi m'attendre en vrai. J'ai pas vu trop de Miyazaki récents. Enfin de Miyazaki, de Ghibli. Faut dire Ghibli, non? Je crois que j'avais entendu un délire comme ça. Non, on le prononce avec un G, mais c'est pas avec un G. Ghibli, je crois, ou Ghibli. Truc sucré, ça va bien aider à dormir. Mais c'est encore... C'est l'heure du petit-déj pour moi. Alors, pourquoi tu n'y garderais pas? Ouais, je m'en doutais. C'est peut-être toi qui arrêtera le satané Logan. Ouais, trop bien. Est-ce que j'ai eu 10 sous? J'ai 195! Oh! Bah dis donc. Let's go la moula! Bâton de... Bâton en bois, attends. Bâton en bois. C'est ce que je trouve... Dans les débris, forcément. Rebut, vieux composant. J'ai toujours rien, toujours pas de palier, moi. Ah oui, c'est là. Ces trucs mécaniques. Bah, je vais continuer de toute façon avec les trucs mécaniques parce que... Liste d'attente pleine. Waouh. Au niveau de la flotte, on est bien. Pas fou. Pas fou, pas fou. J'ai peut-être un peu d'eau dans mon... Non, j'ai même pas d'eau. Attends. J'avais vu que je pouvais crafter de l'eau. Bon, c'est bizarre dit comme ça. Ah bah voilà, faut que j'ai plusieurs rosées. C'est ça en fait. Et là, je fais ça. Pas fou. Il est 11h, je peux peut-être en récolter un peu. J'y vais. Moustache de chat. Pas moustache de ça. Moustache de chat. Il est trop tard, je pense. Ah non, j'ai eu un peu de rosé quand même. Peut-être qu'il faut que je fasse très tôt. J'en aurai peut-être plus. Je mange mieux depuis que j'ai commencé à maigrir. Bah ouais, c'est bien. Bah du coup, enfin, le côté aussi varié est vachement important. Et ça, moi j'ai un peu du mal. Je vais essayer d'avoir quand même un peu de légumes, un petit peu de fruits, un peu de fibres, des trucs comme ça. Mais ça va être beaucoup les mêmes trucs en fait. Alors que ce serait quand même bien de varier parce qu'il y a quand même des choses quand on mange un peu trop la même chose.
forcément des choses qui manquent un peu. Il faut que je fasse gaffe. Je suis acheté des kiwis. C'est vrai que je mange un kiwi. Pas fan, mais ça serait bien. Même s'ils vont être pas bons, je pense. Non, mais je suis trop loin. Et oui, il faut que je range des trucs. Je vais le faire. C'est pas une porte, ça. C'est pas une porte, ça, Lox. Recycleur. En terre plein. Mais avant, je peux ranger des choses là. Ah, j'ai de la rosée aussi. Je vais tout rassembler. Les cordes aussi. Donc ça, c'est tige de cuivre. Là, il y a les briques. Ok, je vais essayer d'enlever les trucs végétaux et animaux et laisser les cailloux et tout ça et tout ça. Et les débris peut-être. Ah, les débris, non, faudrait que j'ai un coffre à débris. Genre ici, je vais mettre cailloux, pierre. Et trucs mécaniques. Ouais, voilà, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est super ce que je fais. Et dans l'autre, je vais changer. Ah bah oui, mon... Ouais. Ok, là c'est bien. Et ici, du coup, j'avais mis quoi? Un truc un peu aléatoire. Là ici, je vais mettre végétation. Et voilà, les trucs un petit peu qui sont des éléments de bébête. Enfin, qu'on a grâce aux bébêtes. C'est quoi ça? Je sais pas, mais ça bouge. Ah bah le poisson. Et les champignons. Et le caca. Voilà, des trucs comme ça. Les trucs végétaux et animaux, quoi. Du moins. Ah, ça c'est du cuir, je crois. J'aimerais bien qu'il y ait le nom qui s'affiche quelque part quand je le sélectionne. Ah, description. Viande séchée. Ah, c'est de la viande séchée. Ah bah oui. Baie des sables séchées. Ça, si, ça va là. Et ça, c'est quoi? Épine de cactus. Ah bah non, mais ça va là aussi. Dinas, non. Ok. Donc ici... Je remets des trucs que j'avais, que j'ai déplacés. Peut-être les trucs mécaniques, je vais les mettre ailleurs. Ce serait plus malin. Et si les débris, trucs mécaniques, ils restent un peu. Je remets t-shirt. Les trucs un peu raffinés finalement. Et les trucs à raffiner, on va dire. La flotte, je l'ai mise nulle part. Je vais la mettre là. Bon, on est pas mal. On a un peu trié, fallait que je fasse. Je la mettrai bien là. En 8. Ouais. Ce tri de fou. On en est où là? C'est long hein. J'ai un bâton. Ah mais oui, mais faut que je mette à raffiner du bois maintenant. Oui, mais il me faut des paliers de toute façon. Donc je vais laisser faire. Oui, je suis pas fan de kiwi non plus. Ah, les kiwis jaunes, je connais pas. Mais je sais que c'est riche en pas mal de trucs que j'ai pas trop. Donc bon, et puis c'est la saison normalement. Donc je me suis dit, bah on essaie de vendre des fruits de saison. Chaque fois des clémentines, elles sont dégueu. Il faudrait que j'en mange aussi. J'en ai mangé une. C'est pas faux. Puis les clémentines, tu peux pas vraiment rajouter du sucre. Le kiwi, je pourrais s'il est pas bon. C'est plus facile, tu sais, tu le creuses un peu et tout. Mais c'est ce truc, je ne comprends pas. Effrayant ce machin. Ok. J'ai des quêtes à faire. Ouais, bah on va faire tant que ça raffine. Puis le monde.
pas trop d'autres trucs à faire. Le pouvoir de la mode. Ah punaise, mais d'accord! Oh non, c'est un peu terrible. Oh punaise, il y a des trucs à tuer. Oui, c'est un peu long. Ouais, bah, je comprends, il faut. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre plusieurs machines et tout, donc agrandir son terrain. Tu comprends. Justice is my name, and justice is my game. Tu vas faire partie des nouveaux constructeurs. Mon nom, c'est Justice. Mais non, mais j'ai déjà parlé à Justice. C'est moi qui représente la loi dans le coin. Je dirige la brigade civile locale. Et maintenant, tu peux peut-être me dire que tu fais si loin de ton endroit de vie. Ces hommes lézards sont introduits dans notre territoire dernièrement. Ils taguent leur nom sur des objets, démontent nos structures. Allez, racailles. Ils se nomment les Googlers. N'aurait pas pu choisir pire pour commencer à montrer les crocs. La lumière sait que Logan et son gang nous donnent déjà bien assez de peintes sur la planche. Constructeur, prévenu en vaut mieux que deux. Tu ferais mieux de pas t'entraîner ici. Oh, je le démonte. C'est risqué. Ce petit sauvegarde peut-être. Hein? Voilà. Ok. C'est une dinguerie. Mais il n'y en avait pas au magasin. Ça se trouve facilement des kiwis jaunes. Ça me paraît bien de tester, moi. Oh, niveau 17. OMG. Je lui enlève pas de vie. Oh, la dark soulisation des cozy games. Oh non, non, je déconne. J'ai plus d'endu. Je déconne. Non. Ah, en plus, j'ai plus d'endurance. Je vais manger. J'ai testé. J'étais niveau 17, niveau quoi, 3. Est-ce que du coup j'ai des aptitudes que je peux améliorer? Non, il faut que j'ai des... Ah, je suis niveau 5 quand même! Attention! Il faudrait que j'ai des équipements en fait. J'ai l'impression. Ah oui, les photos, mais j'ai pas d'appareil photo! Eh oui! Normalement oui, ok. Faudrait que je vois, j'en ai pas vu au magasin. Il y en a peut-être moins par chez nous. Bon. Bah, le problème, c'est que j'ai plus d'enjeu, moi. Donc, je peux quasiment rien entamer. Attendez, j'ai des petits trucs new. New to. Oh, super. Et voilà, il y a un arbre de compétences. Je comprenais pas. Le simple fait de jouer au jeu te permettra de remporter l'XP. Effectivement, j'ai vu. Quand tu auras assez d'expérience, tu pourras dépenser des points dans une catégorie. Bah normalement, j'ai assez là, je pense. Une catégorie pour en apprendre plus sur cette dernière. L'endurance, c'est bien. Connaissance. Voir ce qu'elle fait, ajouter des points dans une connaissance pour en gagner des bonus. Pour gagner les bonus. En dépensant plus de points de connaissance dans une catégorie, tu pourras débloquer tes connaissances verrouillées. Tu souhaites réinitialiser. Oh, c'est bien, on peut respect. Bah du coup ça c'est le truc de base. Donc je vais le prendre. Est-ce que je peux au moins? Ah non, je l'ai déjà. C'est ça? C'est un point, confirmé. Ah mais j'ai pas de point, c'est ça? Ah non, j'ai mis là, je voulais pas. Bon, je peux facilement... 10% d'XP en fouillant. Ok. Ok. Ok, j'ai mis des points. C'est bien. Ah, je les ai pas validés, c'est ça? Obtenir 10 points de connaissance. Ah, j'ai 10 points de connaissance. Ah oui, X confirmé.
D'accord. Nice. Encore un point ? Ah non, je vois 0 en bas à droite et après il me dit que j'ai un point. Ah, dans une autre catégorie là-dedans ? Non. RTLT. Oh d'accord, j'ai une... Ok. Connaissance d'apprenti. C'est de l'XP quand je construis des trucs. Enfin, quand des objets sur l'établi, bah ça va se faire plus souvent donc... 10% du prix de vente du bétail. J'ai pas de bétail encore. Oh, salut Catalyse ! Mais il doit être super tôt chez toi, remarque, tu te lèves peut-être pour le travail. Avant d'aller à la job. Bon courage, c'est gentil de passer. Ah, les débuts étaient compliqués, j'ai eu des soucis que j'avais jamais eu avant, évidemment. Mais sinon tout se passe très bien, le jeu est très cool. 8h20. Ah oui, bah voilà. Okay. Je vais bientôt aller au bureau. Bon courage, j'espère que ta journée se passera bien. Et sinon, week-end de bain. Ça fait plaisir. Mais faut que je fabrique en fait les bâtons en bois. Mais ça se fabrique! Pas maligne, moi. Ah, tige de cuivre. Du coup. J'aimerais bien enlever dans la. Enfin, supprimer. Annuler la liste d'attente, voilà. Il faut que je mette des débris en... J'ai oublié. Il me faut quoi ? Ah bah il me faut des paliers ! Ah bah non, je continue en fait. J'ai dit des bêtises. Du coup, c'est mécanique. Courage, oui. Et puis bah de toute façon, on se revoit sûrement ce soir. J'articule plus là, j'ai fini. J'ai fini d'articuler, j'ai fini de réfléchir, fini. Est-ce que je suis allée ici ce matin? De toute façon, j'ai plus en vue. Donc, je peux, mais pas pour faire grand chose. On ramasse un peu des trucs. Ah bah oui, de la rosée. Je vois bien ça. Ah mais la rosée, en fait, on peut en trouver un peu partout. Ah, surtout sur les plantes à récolter. Plus que sur les plantes à casser. Good to know. Je vais prendre ça. Yak. Bon, ça, je vais continuer, c'est un peu marrant. Ah oui, faut vraiment faire contre le mur. Ah non, je pensais que c'était fini. Tiens. On va ranger maintenant. Alors, là, il y a les trucs en bois. Les cailloux. Les paliers, c'est à côté. Et ça. Et le reste, c'est là, normalement. La rosée. J'ai pas de place pour l'herbe. Bah, je la mettrai ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais déplacer ? Peut-être la nourriture, limite. Enfin, ce qui peut s'y apparenter. Et là, je garde le végétal. Je sais pas. C'est bon. De toute façon, je vais m'en faire un coffre. Je pense que ça va être vite fait. Hein. On va tout simplement se refaire un coffre. Désertique que ma Tiamat Portia. Ah ouais. Après il a l'air aussi, enfin je m'en rends pas compte, mais il a l'air plus spacieux aussi. Peut-être que je me trompe, j'avais vu un peu de ma Tiamat Portia en stream.
Mais aussi, bah forcément, les gens étaient en train de beaucoup crafter et tout, donc ils restaient beaucoup dans une zone petite, donc c'était peut-être une impression, mais en tout cas, il a l'air... Celui-là donne une impression de beaucoup plus d'espace, je trouve. Bon bah, tige de cuivre et palier, faut que j'attende. Tige de cuivre, je crois que je peux pas le crafter. J'ai vérifié déjà, mais j'oublie. Bon. J'ai pas beaucoup d'enduit, mais de toute façon, je vais pas faire grand chose. Je vais peut-être aller genre au saloon, des trucs comme ça. Je vais voir si je peux avoir. Enfin, combien ça coûte le plat du jour. Globe de fou par rapport à Portia. Ah ouais? Ok. Possible. Bah, en même temps. En même temps, celui-là en plus il est fait pour être fait à plusieurs et tout, donc... J'avais pas des sous moi. J'ai que 13 balles. Regardez, c'est rouge. Ah si, j'ai des sous. Nouilles au sésame. Ouais, c'est ça que je veux. Je prends. Ah, j'ai pris deux plats, je voulais pas. Merde. Moi, je voulais pas du tout prendre deux plats. Ah, vraiment pas, hein. Moi ce que je veux c'est faire la bande d'arcade dans la salle de jeu, mais je suis sûre qu'il faut que je me mette bien avec la meuf qui a la salle de jeu. C'est qui? J'ai oublié. Et si c'est pour avoir du bétail? Moi je vais avoir la canne à pêche. Bizarrement. Voilà, Katori. Hey there. Hey there. Tout le monde parle de la performance charismatique de Mathilda à l'assemblée. Je me demande si elle pourrait m'aider à trouver un du financement. En moins. Tu fais un cadeau? Tu veux du raisin? Thanks. It's really nice. Ça lui a plu? Hey. Mais t'as un musée à compléter. Musée. Ouvert de 7h à 20h. Enfin, à compléter, je sais pas, mais il y a un musée quoi. 40 gold. Moi, j'en facile. Quand ton énergie est au max, ton icône apparaît pour indiquer que ton super coup est prêt. Utilise-le pour déblayer le terrain. Ok. Les scores élevés accordent les meilleures notes. Et récompense, c'est de viser la meilleure note. Tu peux choisir entre 3 niveaux de difficulté. Chaque mode est divisé en 3 manches. Plus c'est difficile, plus tu as une chance d'obtenir une meilleure récompense. Oui. Améliore ton score. Si tu pourras passer de taupe en une manche, tu progresseras vers la suivante. Sinon, pas d'inquiétude, tu peux réessayer. Tape les taupes avec ton marteau, regarde bien. Certaines taupes pourraient avoir des effets étranges. Hein ? Tape avec X. Ça les gèle. Ah oui, ça me voilà, ça me stun. Let's go. Je suis imprenable. Ça se passe bien, ça se passe bien. Oui! J'ai plus de sang. Trop bien. Récompense 3
3 pièces. Pas beaucoup, hein. Ah, je peux continuer. Oh, par contre, mon ulti, il est pas là. Dommage, je l'avais gardé. J'aurais pas dû. Je fais quand même, parce que des fois y a rien d'autre. Bientôt pouvoir. Oh, c'est exceptionnel. 6 coins. Ok. Niveau 3. Bon courage catholique, des bisous. Excuse-moi, je réponds tard et en plus il y a un petit décalage. Bonne journée. Et à tantôt. Puis là, j'attendrai bien celui-là. Voilà. Mais je peux courir en fait. On aurait peut-être besoin de plusieurs, donc c'est pas plus mal. On s'en sort, hein. Un dernier coup et l'ulti. Allez, 200. Oh non. J'aurais même pas 200, zut. Oh bah je peux continuer, hein. Oh non, j'ai redépensé des sous. Non, bah non, je pensais que ça me laissait continuer. Oh non, je voulais pas, j'ai fait le mode moyen. C'est pas que... Oula, il y en a un avec un casque. Ah, il faudra deux coups peut-être. Mais du coup, je regagne pas du tout mes sous, même en faisant plusieurs niveaux, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas rentable de faire, de le faire en fait, le truc. Même en gagnant beaucoup de points. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est la sensation que j'ai. Du coup, ça fait combien de sous? Bon. De toute façon, il y a 3 niveaux à faire. On va le faire. Bon. Thank you.
Ça fait quoi ça? Ça me donne plus de points peut-être? Non, pas du tout. Moi. Mince. GG Martien. C'est trop bien. Ton choix. Allez, il me faut mon ulti. J'ai eu un peu trop tard, j'aurais dû être plus rapide. L'ulti ici, c'est trop bien. Je tombe plus 18, ouais, mais je paye 40. Peut-être pas déconner. Ou alors c'est d'autres monnaies peut-être. Il est quelle heure? 22h. On va dodo. C'est où mon chez moi? Là-bas. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai Martien en tête. Oh, pas du tout en fait. Faudrait que j'y aille quand même. Faudrait que je visite un peu plus. Mais bon. En fait, je risque tellement vite de tomber sur des bestioles intuables pour moi que faut pas... Oh, regardez le coffre là-haut. Faudrait que je me chope un arc, ça. Ou un lance-pierre, un truc comme ça. Trop cool. J'aime bien les petits coffres cachés comme ça. C'est cool. Quand on aime le loot, ça fait bien plaisir. Tout le monde aime le loot, en fait. Toujours mon truc là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ce serait bien que avant d'aller me coucher, ce serait bien que je lance un autre truc. J'ai eu un palier. Il m'en fallait. Tiges en cuivre. Alors les tiges, les bris de cuivre, évidemment. Voilà. Faudrait que je sauvegarde aussi. Ça sauvegarde quand on dort, vous pensez? Oui, bah oui, sauvegarde auto réussi. J'ai eu la réponse en direct. J'avais même pas fait gaffe. Bon bah j'avance hein. J'ai fait du tap-top, je suis contente. De Nia. Eh, salut Esther de la construction, c'est trop bizarre de t'appeler comme ça. Je crois que je vais me contenter de Lox. Ta mère m'a dit que tu devrais avoir le temps de défaire tes bagages maintenant. Tu devrais avoir eu le temps. C'est étrange hein, ma boîte aux lettres est encore complètement vide. Est-ce que j'aurais dû éviter de me faire des espoirs? Compte sur moi pour t'en vouloir. Ah, j'ai pas répondu, mais c'est qui? J'espère que tu as réussi. Ah, répondre. Bon, on me manque. Je me porte super bien, les gens sont adorables. Hop là. Voilà, je réponds. C'est le week-end. Mais non, ça ne veut pas dire pour autant. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut se relâcher. Au contraire, non seulement il y aura des commandes normales pour toi, mais il est venu le temps des inspections de guildes. Remporte des points de réputation. En plus pour ton atelier en passant par la guilde. D'accord. Ok, bon, à voir.
Teddy RPG. Ouais, y a un peu de ça, ouais. Oh, ça aurait été trop bien que je puisse répondre à un truc comme ça. Tu me peux envoyer une lettre, PTDR, t'es qui, Dieu? Oh, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Je vais récolter de la rosée. C'est ça qu'il faut que je fasse le matin. Parce que niveau flotte, c'est compliqué, là. Genre, quand tu leur réponds pas, ils sont vénères. Bah, j'ai l'impression, t'as vu? Je me suis fait un peu engueuler, en fait. Totalement, même. D'avoir beaucoup de rosée. Ah si, bah là j'en ai eu un peu. Il y a peut-être des plantes qui en donnent plus que d'autres quand même. Mais bon, je sais pas lesquelles encore. Non mais, arrête de taper dans le vide, please. C'est chiant. Je vais pouvoir un peu... Ce serait bien que j'ai deux réservoirs de flotte à... Enfin, deux petits stocks de flotte. De toute façon, enfin ouais. Stock. Vu que ce sera tout de suite pour le mettre dans mon mini château d'eau, là. Dans ma petite réserve. J'en ai combien, là? 6. Je crois que j'en ai 6 aussi, ou 7. À la maison. On va essayer d'avoir ce qui manque pour en faire 2x10. Ce serait bien. Ah ! Je pense qu'il faut que je ramasse des fleurs plus. Trop mignonne ces fourmis, trop mignonne. Ça vise automatiquement le mob le plus proche. Et vu que je reste appuyé sur la touche. C'est pas exprès. C'est pas exprès. Tout va bien. C'est bon, elle a oublié. C'est pas rancunier. C'est pas rancunier une fourmi, hein. Ça se saurait. Hein. Mais non, mais c'est pas fait exprès, ça se vise automatiquement quand t'es passé à côté. Méfiez-vous si Lox vous fait des compliments. Trop mignon. Non, pas fait exprès. J'y peux rien, le jeu il vise auto. Oh, Paradise. Power, power, paradise. You're the new builder. I'm unsure. Toi, Lox, je suis unsure. Je suis pas sûr. Command in the Civil Corps. Deuxième ou troisième commandant de la garde, la brigade civile. We keep the peace around here because. Je suis pas vraiment sûr. Ah oui, d'accord. On maintient la paix ici car si on ne faisait pas, les choses seraient beaucoup moins paisibles. Sheriff m'a dit que je devais surveiller cette porte. Et m'assurer qu'aucun robot fou, des robots. Sortent des ruines du paradis perdu juste derrière moi. Paradis perdu était un centre commercial de l'ancien monde. Mais suite au jour du désastre, tous les robots sont devenus fous. Ou c'était avant, je sais plus. Jamais été bon en histoire.
You want to go in here? Tu veux entrer? Je pensais que tu voulais juste discuter avec moi. Well, le verrou, cette porte est cassée. Et justice m'a dit de laisser personne entrer ou sortir. Je peux réparer. Probably. The door kind of looks fine to me. Je dois suivre les ordres. Le service de justice doit obtenir une commission officielle par la mairie. So until justice does the paperwork, I'm sorry. Yeah. Maybe you'll get. Je devrais bientôt recevoir une commande pour la réparer. Ok. Well, good luck. Bonne chance. Encore. Power, power, paradise. Dégagez les fourmis, sinon je vais vous taper sans faire exprès. Je veux pas. Je veux pas. Non. Choqué, déçu. Mais non. Don't be shock bar. C'est un misclic, hein. T'es jamais arrivé de d'éclater la tronche de quelqu'un parce que t'as misclic? Pas une vraie gameuse. Oui! Alléluia, on l'a! C'est bon, j'ai l'ascenseur! Trop contente. Ah, oh, je suis contente. J'avais peur que ce soit trop long et que je puisse pas l'avoir aujourd'hui. Mon personnage est trop beau. Je leur dis, mais elle est sublime. Elle est trop mignonne. Je ferais. J'aurais dû lui faire la peau un peu plus foncée, ça aurait été classe. Mais c'est trop bien. Mystique, c'est ce qu'on dit toujours. GG. I gotta tell you, those two lifts you made are running like a drain. Looks like Yan finally did something right hiring the two of you. Maybe we don't have to move out of Sandrock after all. J'étais bien en fait avant. Ouais, c'est bien. Alors. Les ascenseurs que vous m'avez fabriqués marchent comme sur des roulettes. On dirait que Yan a enfin une bonne chose. Enfin fait une bonne chose en engageant des personnes comme vous. On aura peut-être pas. Partir de Denrock. Ah maman, je vais passer de voix à lui. Lui, tu veux celle-là? Mais oui. But we're still way behind on our maintenant, les gars et moi, on peut retourner dans les ruines abandonnées et se remettre au boulot. Et si on est encore à la traîne et tourner sur le côté de Minel, ah, ça me donne une idée. Vous aimez l'exploration, vous deux, non? Sure, we do. Ah, moi, ça la me va. Bien sûr, explorer les ruines, c'est ce que les constructeurs font de mieux. Enfin, ça et la construction. Je crois que j'ai trouvé. Oh, je sais plus la voir. Bon, c'est pas grave, je vais faire une voie normale. Je crois que j'ai trouvé un autre moyen de s'aider, mais mutuellement. Ça veut dire quand t'es un peu la terre. Avec plaisir. Voilà comment ça fonctionne. Les ruines abandonnées sont qui sont là pour la liberté de la récup Ufala. Elles contiennent des ressources précieuses ainsi que des reliques de l'ancien monde. Elles sont ouvertes à quiconque y ont le pass. Que vous utilisez pour venir. Les frais de passe permettent aux gens comme vous de louer un jetpack. Trop cool. Oui, t'es trop stylé. Locke donne un coup de pioche. Ça va, j'ai compris. Mais j'ai vraiment mis ce clic, hein. C'est pas lié au compliment que j'ai fait avant. Un signe d'affection. Arrêtez! Au cas où vous en faites trop profondément, un détecteur. Pour trouver des reliques plus facilement, on a besoin d'engager la voie active de temps en temps pour qu'ils descendent faire un tour et s'assurer qu'il n'y ait pas d'incident. Vous autres les constructeurs, vous utilisez toujours votre marteau-pioche pour creuser des tunnels à travers la mine, extraire des minerais et des objets précieux à ramener dans votre atelier pour fabriquer plein de trucs cool. Que vous pourrez trouver là-dedans vous revient. J'ai une petite proposition à te faire. Comme la structure fonctionne plus depuis un moment, les gars et moi, on doit se casser le dos pour compenser. Mais si tu veux m'en vendre certains de tes minerais, je viens me voir. Oh! Dans les jours qui viennent, je te les rachèterai à bon prix. Ça, c'est bien ça. Ça te va. En tout cas, je me souviens là-dedans. Ne me casse pas tout non plus. Tout à fait, tout à fait. Je m'amuse de fou là.
toutes les fois où elle amène un verre d'eau et qu'elle le remercie. Patate! Mais non! Non, des fois, bon, des fois, j'avoue, je suis maladroite. Mais non! Je suis maladroite avec moi-même. J'y prends, dans la vraie vie, il n'y a pas des fourmis bourdons. Difficile de casser la gueule à une fourmi bourdon dans la vraie vie. Là, bon, j'y prends, elle passe à côté. Je veux dire, imaginons. T'es en train de... Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait justifier? Imaginons... T'es en train de, je sais pas, de tourner très énergiquement une béchamel. Voilà, un truc un peu du quotidien. Et que là, quelqu'un arrive et se met pile poil entre toi et la béchamel. Bah, tu continues à tourner, mais paf, ça met un coup. S'il fait ça très vite, évidemment. Sinon, normalement, t'es censé le voir arriver. Mais c'était un peu ça qui s'est passé. Prenons un cas de figure commun. Quelqu'un qui se met entre vous et votre béchamel. Un classique. Ouais, bon, je vais arrêter d'essayer de me justifier. J'ai plus d'énergie, c'est chiant. Mais bon, j'en profite tant que je suis là. Je descendrai tantôt. Ah bon. Ah! Non, 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 non! Ah! Interagir avec le recycleur. Je vais peut-être mettre ça. Attendez, faut que je remplisse. De caoutchouc, tiens. Je vais mettre ça. Ça a l'air bien, c'est des compos que j'ai pas. De flotte. Tac, tac. Oh, bon, je mets les poissons. Oh, j'ai un short. Je vais aller voir. Imaginons, tu déposes ton courrier à la poste. La mémé passe à côté. Paf, balayette. Mais non. C'est pas... Là, tu parles d'un truc volontaire. Moi, je parle d'un truc pas volontaire. C'est important de faire la différence, vous savez. Le stream cuisine, ça va être Fight Club. Je fais une béchamel, ça tourne mal. Arrêtez. C'est pas ça que je disais. Trop belle. Oh, bah elle est 54 déjà. Attendez. Je vais regarder le Discord pour savoir si... Hop là, si j'ai reçu un message ou quoi. Ou caisse ou machin. Ou quoi qu'ou caisse. J'ai failli dire ou quoi qu'ou j'ai pas dit. Hop là. Non, c'est bon, pas de message. Pour savoir si la personne est bien à l'heure, la personne qui me relaie. Je sais même pas s'il y a une personne qui me relaie, je pense que oui. Mais je sais pas. Je vais taper une gigabar. Mais arrêtez, vous interprétez tout mal. Faites pas votre Twitter. J'aime Miss Click, une bébête. Elle va bien en plus. Je l'ai même pas continué de l'attaquer. Miaou. Ok. On m'appelle l'ami des bêtes. Sauf celle qui passe sur mon chemin quand je tape. Voilà. Hey there. Reckon you got my letter? How's Mason's old shack treating you? If it's not quite what you were expecting, might be a high time to start up. Tu es comment dans la vieille cabane de Mason? Si c'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, c'est qu'une amélioration ça pose. Alors j'ai pas beaucoup de gold. Installer un nouveau bâtiment pour ton atelier ou améliorer quelque chose que tu as déjà. Just take a look. Oh, also. I've always got plein de matériaux en stock. J'ai envie d'échanger. Ok, trop bien. Happy...
c'est bien foutu comme c'est fait. Je pensais que j'allais devoir acheter une amélioration, que ça allait mettre un petit peu de temps, que je devrais poser un truc moi-même et tout, mais là du coup c'est comme ça, c'est bien. Tu peux augmenter la taille de ta maison quand tu construis, tu vas au minimum l'agrandir d'une zone de 5 par 5. Okay. La maison comprend tout ce qui se trouve à l'intérieur de la barrière. Okay. Lorsque deux pièces sont connectées, une porte est automatiquement créée entre elles. Lorsque deux étages sont connectés, des escaliers apparaissent. Ok, ça va, c'est trop bien fait. Tu peux rajouter des portes et des fenêtres supplémentaires si tu le souhaites. Chaque pièce va au moins comporter une porte, oui. Lorsque tu rajoutes une porte ou une fenêtre depuis l'extérieur, elle sera également visible au même endroit à l'intérieur. C'est normal. Il existe deux catégories principales d'accessoires. Plafond ou mur. Accessoires. D'accord, je n'aurais pas accepté ça, accessoires, mais ok. Accessoires de plafond. Ah, les accessoires de plafond, les accessoires de mur. Je pensais que c'est les murs et les plafonds étaient considérés comme accessoires, je comprenais pas. Peuvent uniquement être suspendus au plafond. C'est logique. Les accessoires peuvent être pivotés, déplacés, remis à l'échelle et recolorés. Contrairement aux portes et aux fenêtres. Ok. Mais j'ai pas de sous de toute façon. Ça coûte pas si cher en fait. Mais bon. Ah si, quand même un peu. Oui, oui. Une fenêtre, c'est 300. Ouais, d'accord. Pas le moment. Mais au moins, je sais comment c'est. Ça va le chat, sinon? Bon, qu'est-ce que vous pensez du petit jeu, en vrai? Pour ceux qui ont été là depuis un petit moment, qui ont pu voir un peu... Il y en a qui connaissent, évidemment. Le jeu est en early depuis au moins un an, je crois. Donc c'est pas la première fois que vous le voyez, mais en vrai, je le trouve très très agréable. En multi, il doit être très très cool aussi. Je sais pas comment ça se passe, j'imagine qu'il y a un host qui appartient un petit peu à la Stardew. Et tu viens sur la partie machin. Je sais pas s'il y a moyen de créer un petit serveur dédié pour que par exemple la map soit toujours on et que n'importe qui puisse se connecter. Mais j'aime trop en tout cas. Oh, je suis pas été là. Oh mais c'est le temple ici, non? Ah oui, je suis jamais allée. Hello. Acolyte de l'église. See you around. Je crois que c'est un enfant de dos. Pas du tout. Mais c'est qu'on est tous petits. Et petite. Elle est trop mignonne, elle. Oh, c'est joli ici. Je pense que je vais me le prendre quand j'aurai fini le portia. Ok. En tout cas, ouais, moi j'y jouerai. Pas forcément. Je sais pas si. Enfin, si. J'aimerais bien, en vrai, faire une partie avec Dilo. Je pense que ça pourrait être très cool. Qu'on se fasse juste qu'une soirée dessus ou deux. Faire un don. Oh non, peut-être la prochaine fois ou peut-être pas. Hein. Je veux jouer. Non, je peux pas jouer. Mais c'est vrai que j'en avais entendu parler en bien du jeu, de toute façon. Donc je me doutais que ça me plairait. Hein. Vraiment, quand on m'a proposé le truc, j'étais là. Oh, sur ce jeu en plus. Trop bien. En vrai, trop bien. C'est cute, c'est trop cute. Mais ouais, Portia avait l'air bien aussi. Mais celui-là, il est mieux. Je peux aller sur le toit? Oui! Ah, mais j'y suis déjà allée, j'ai déjà... Coffre trésor. Oh, faut le... What? Faut que je tape le coffre... Mais c'est bizarre, comme... Mince, je vais m'évanouir. Oh non! Terrible! Oui, Dilo, ouais, si ça la chauffe après. Faut que ça la motive, faut qu'elle ait temps, tout ça, tout ça. Mais bon, la dernière fois, c'est vrai qu'on a fait du FIFA ensemble, je me suis dit, tiens, en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Du coup, go. Bon, alors que je fasse dodo. Et je pense que ça va bientôt prendre le relais. Je sais pas si ça le fait automatiquement. Moi, je me vois pas en live, mais je pense. J'aime pas dire au revoir. En tout cas, si ça a pris le relais, des bisous.
Bah non, vous m'entendez pas, du coup, si ça a pris le relais. Je sais pas trop, vu qu'il est 14h, je pense que ça va changer de stream. Moi, je suis en chargement continu. Tu continues un peu? Bah, en fait, j'attends de voir si le... On te voit encore, ok, puisque moi, je me vois pas sur le truc. Je viens de me faire mes pattes. Bah, je vais continuer un petit peu pour savoir un petit peu si l'autre personne prend le relais. Ne sachant pas trop qui est après moi. Je peux continuer un petit peu. De toute façon, en vrai, j'ai lancé au moins 10 minutes plus tard, je crois. Donc, je peux continuer encore un peu. Je vais peut-être juste arrêter la VOD. Ouais. Je suis en VOD, là. Toujours, oui. Je sais pas trop si je pourrais la mettre en ligne. Je me renseignerai. Mais en tout cas, si elle est en ligne, début de la VOD, c'était la découverte de My Time at Sandrock. Et c'est trop mignon et cool.